dans notre zone de contact. On a trois petits furets, deux mâles, une femelle. Donc Lexi, Frick et l'Albinos, qu'on possède depuis maintenant 2 ou 3 ans de tête comme ça. Concernant leur régime alimentaire, ce sont des carnivores stricts. Donc qui dit carnivore strict, uniquement de la viande. Ce sont des animaux qui dorment beaucoup, jusqu'à 18 heures par jour. Et ce sont des animaux, le furet est un animal très propre, comme le chat. On pourrait le confondre avec le putois. Le putois, l'espèce sauvage, qui sont deux animaux très ressemblants. L'un, le putois, vit à l'état sauvage. Le furet, lui, est un animal domestique. Donc la durée de vie du furet, 6 à 10 ans en captivité. Concernant la reproduction des furets, on est sur une période de gestation de 38 à 44 jours. La furette peut mettre bas entre 1 et 4 petits, sachant que 4 petits, c'est déjà une belle petite portée. Je m'appelle Jimmy Bell, je suis directeur du Zone Maubeuge. C'est un parc sur 7,5 hectares au plein cœur des fortifications de Vauban, près de 300 animaux, éléphants, girafes, hippopotames, lions, tigres, peuplent ce cadre de 7,5 hectares. Aujourd'hui, je viens dans le cadre d'un échange entre nos deux structures. Donc, nous avons ramené un mara et une oie céréops et nous repartons avec deux grues couronnées afin de repeupler encore plus notre volière d'immersion. Aujourd'hui, le Zone Maubeuge nous dépose un mara. C'est un petit mâle aussi. Et on va l'acclimater avec notre deuxième mâle qui est présent sur le parc pour y refaire un petit groupe, essayer de composer un petit groupe afin de remettre dans le parc animalier par la suite. Alors, pour qu'ils se connaissent, ils s'acclimatent ensemble, nous avons séparé le box en deux afin qu'ils fassent connaissance. Et d'ici quelques heures, voire quelques jours, nous enlèverons les barrières pour qu'ils soient vraiment ensemble pour jouer. Réceptionner l'oie céréops que nous avons mis dans un enclos pour la quarantaine et la mise en contact avec une petite femelle. Entre les différents parcs zoologiques, nous faisons des échanges. Donc aujourd'hui, Maubeuge nous ont ramené des animaux et nous faisons don aussi d'animaux sur le parc de Maubeuge. Aujourd'hui, c'est deux grues qui partent sur le zoo de Maubeuge. La contention d'une grue reste assez délicate. C'est un oiseau très fragile. Et le gros problème sur les grues, c'est qu'il faut surveiller son bec et surtout ses pattes afin qu'il évite de s'égorger avec ses griffes très tranchantes. Dans le parc, nous avons donc trois ânes, deux ânesses qui sont Trico et Mini, âgées de 3 et 5 ans. Donc elles sont dans un enclos à part et de l'autre, dans un autre enclos, nous avons donc Martin qui est le doyen du parc, il a 40 ans et c'est un peu la mascotte du parc des Cities.